Et bien salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur South Park, l'anal du destin. Nous en sommes à l'épisode 16. On va tout de suite changer de tenue parce que là c'est vrai que j'avais une tenue juste catastrophique. Et on va se mettre le cerveau. Voilà, parce qu'on est des machines tout simplement. On est des cerveaux les gars. On va prendre cette tenue. Je pense qu'elle va plutôt bien avec le cerveau. Ouais, ça me paraît être la bonne tenue. Et en main on va prendre on est bien hein, avec les gants on est bien. Allez, là on est encore mieux parce qu'on voit les mains. En lunettes, je crois qu'il n'y avait pas besoin de lunettes pour le cerveau peut-être. Non, il n'y avait pas besoin spécialement de lunettes. Oh, c'est pas mal. C'est pas mal avec le monocle. Donc c'est bon. On a changé de tenue. Direction le boss, normalement, si tout se passe bien. Ah, là c'est gênant. Code. Ok, le code. Ok, normalement c'est bon. C'est parti. D'accord. Le code c'était juste 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Très très bien. Mon règne s'arrête ici, Kun et sa bande. Ouais, personne ne survit au lanceur de balles du chaos. Il faut qu'on atteigne cette échelle, Truluc. D'accord, il y a un lanceur de balles. Alors maintenez le mode inspection. D'accord. Utilisez-le pour mettre le tuyau en surbrillance. Mais où est ce tuyau? Est-ce que déjà si je fais ça... Essaie encore, ça marchera peut-être. Non. D'accord, j'ai peut-être ma petite idée. On va remonter le temps vite fait, les gars, histoire de remettre en place la boîte de pétards. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Sélectionnez l'icône de sableuse et maintiens. Ah oui, non, mais ça, j'ai bien compris. Mais c'est pas ce qui m'intéresse. Attendez, attendez, attendez. Ok. On peut pas, on peut juste pas passer, en fait, les gars, non? On va prendre quand même, on va voir. Ok, correspondance trouvée. D'accord, et c'est là-haut. Comment on peut faire? Condamné. Comment on peut faire? J'essaye de tout calculer. Ah, ça peut être intéressant. Ok, correspondance trouvée. Ça peut être intéressant. C'est pour éviter de faire la base ou de les affronter, je suppose. A voir. Ok, on va essayer de trouver le bon paix. Ah, bah c'est juste au max. Ok, on va envoyer la sableuse. D'accord, on va pouvoir faire tomber le truc. Salut. Ah, génial, des feux d'artifice. Nickel. On va pouvoir lâcher une petite perle là-dedans. Attendez, hop, je me gourde de touche. Tu aurais dit que les feux d'artifice étaient si dangereux. Ok. Ah non, il est venu m'agresser, c'était terrible. J'ai pris un coup, normalement c'est eux qui vont commencer. Oh yes, oh putain, il commence avec deux machines en plus. C'est assez terrible. Ça inflige combien ça? Ok, faut que je me mette sur la même ligne. Ça va, il y a deux lignes différentes. Alors comment on va faire les gars? Comment on va faire? Si je reste là, je sais pas combien ça inflige de dégâts. Voilà mon idée. Voilà mon idée. On va infliger du 82 par ici, ça me paraît pas mal. Ça va piquer un peu. Ah oui, mais non, je prends sa place. Non. Aïe aïe aïe. Essaye de pas glisser. Ah, la grave erreur, la grave erreur. Pas que tu te fasses mal. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Aux ordres du désordre. Ok. Qu'est-ce que tu dirais d'un petit KO gratuit, le garçon cerf-volant? Bon, lui, il peut m'envoyer des disques de Dorothée. Vous en répondrez devant ses amis, pas vrai, les mecs? Ouais, ouais, on arrive. Ok, c'est à moi. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ça déjà, hein, parce que lui, on peut le mettre mal. Ouais, ça me paraît pas mal. Ça me paraît être le plus optimisé. Voilà, il a plus de 5 ou 6 HP, pas plus. Maintenant, avec lui, qu'est-ce que je peux faire? C'est là la terrible histoire, je peux en toucher qu'un. Je peux en toucher qu'un. C'est pas grave, on va le faire. Voilà, au moins lui il est mort. Il attaquera plus. Rentre chez ta mère, abruti. Ok, il va me mettre en feu, c'est pas bien grave. Ça, il m'envoie des Lego de feu, très bien. D'accord. C'est une bonne attaque. Maintenant il y a un problème. Maintenant je suis un petit peu dans le... Ok, on va faire ça au pire et puis on va soigner un pote. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. On va soigner le coup, on va lui rajouter un petit coup, ça peut être cool. Parce que c'est celui qui a pris le plus de damage. Et là, normalement, les machines vont attaquer les ennemis, en fait. Voilà, moins 100, c'est pas mal. Ok, encore un moins 100. Très bien. Au final, on utilise ça contre à notre avantage, pardon. C'est énorme, les dégâts qu'il met. Ok, c'est pas grave, on passe à autre chose, les gars. Je le sens bien, la vie continue. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien, Johnson. Voilà ce que je vais faire. Je vais faire ça. Lui, il est totalement mort. Alors, ouais, on en parle plus. Maintenant, comment on va faire? Il y a un mec qui est aligné, donc ça va être un peu terrible. Mais je pense que là, on les a tous mis KO. Oh putain, on l'achète toujours pas. Mais alors, comment il... Je les ai eu. Ok, c'est bon. Grâce au coup critique. Comment il... Ah! C'est chiant. Des chiens. Très, très chiant. Pourquoi faut-il que ce soit des chiens?
Ok. On va garder, ouais, on va garder le, ouf que ton père les deux machines. Ses outils, boîte à outils. On va garder les deux machines pour les utiliser à notre avantage. Et on va s'octroyer un bouclier pour le frérot. Parce qu'il va prendre cher à cause des chiens. Ça risque d'être une terrible histoire. On est pas mal. On est pas mal du tout là, je pense. Les machines attaquent, donc les chiens. Moins 100 pour le premier. Moins 100 pour le deuxième. Il y a un boss derrière, putain, il est énorme. On va essayer de se glisser petit à petit derrière les machines, ça peut être pas mal du tout. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça, c'est pour sacrément, enfoiré. Ça peut être pas mal du tout. Est-ce que si je fais ça, je prends sa place? Yes, je prends sa place. Ok, on va se caler derrière les machines. Voilà, on va se mettre ici calmement. C'est pas mal. Maintenant. Attention à être ludique. On va se mettre ici. On va utiliser ça à notre avantage. Voilà, simple chaignement au chien, on la joue bien là. Là on la joue bien. Vache, 120, stop. Non. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai un ulti. Tu ne peux rien contre mon maître. Waouh. On revient en arrière pour lui. Voilà, comme ça il attaque pas. Mais le chien va le tuer de toute façon, ouais, ça change rien. Ok, j'ai récupéré un tout petit peu de. C'est assez terrible ce qui se passe. C'est assez terrible. Qu'est-ce qu'on va faire? Ça, ça met KO, mais c'est pas ce qui m'intéresse. On peut se mettre ici, pourquoi pas. Les machines, elles attaquent après. Donc elles vont lui infliger... Je pense plus à ça, en fait. Je pense plus à ça, les gars. Mais je peux pas non plus. Ok, c'est pas grave, on va se mettre ici. On va attaquer le poteau juste derrière. Je crois qu'on vient d'avoir de retirer pas mal d'HP. Et maintenant, avec lui, on va essayer. Je peux pas me soigner, je peux pas m'auto-soigner. Donc, on va juste utiliser une sorte de cake. Ça me paraît pas mal. Réconstitue une quantité minimale. Donc, 50, c'est pas ouf. On a notre Moïse, on a notre tarte. On va utiliser une tarte, allez. Voilà, ça me remet full HP. C'est très très bon. Là, les machines attaquent. Avec le coude, on va pouvoir. Ah, ça dégage. Hein. Totalement mort, le chien. Oh, salut les enfants. Prêt à vous battre? Ok. Allez, un autre en moins. Je sais pas, il y en a combien comme ça, les gars. Le combat risque d'être assez long. Il dure déjà pas mal de temps. What? Wow! Le cool va laisser sa marque. Ok, c'est un délire. C'est un putain de délire. Ouais, bah je vais faire ça. Faut que je fasse attention. Ah, j'aurais pu infliger saignement à tout le monde. J'ai peut-être fait une grave erreur. Ok, ça me paraît pas mal. Hein. Ça me paraît pas mal. J'attaque les deux et en plus j'inflige saignement. Ça me paraît vraiment cool. On va faire ça. Le chien est mort. En plus, j'ai mis un critique. Qu'est-ce qu'il fait lui? C'est pas grave. Lui, il va prendre ce qu'il mérite, très clairement. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire d'intéressant? Je peux le toucher d'ici, je lui infligerai 252, c'est énorme. Aïe! Tu t'es aventuré dans les ténèbres là! Ok, c'est plutôt propre. C'est le moment d'y aller au laser! C'est plutôt propre ce qu'on a fait. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux soigner? Non, ça a aucune utilité. Par contre, je peux mettre un petit bouclier. Et je vais mettre un bouclier au frérot derrière. Pour être sûr qu'il tombe pas aussi facilement. Ça, c'est du travail d'équipe. 150 de bouclier, c'est pas négligeable, les gars. Ça protège un coup. Ok, il est mort normalement, notre pote en bas. Ça a touché personne en haut. Normal, il y avait personne en même temps. Allez, moins 100. Ça dégage. Ok, il y a le gros qui va attaquer. Lui, il est assez terrible. Waouh! C'est du one shot. Cool. Ça va, les gars. Ça va. Plus de peur que de mal. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire ça? Non, c'est pas... Ouais, c'est ce qui retire le plus quand même. Et si je fais ça? Ouais, c'est pas ouf. C'est pas ouf et je peux pas le faire. Ok, bon, on va utiliser ça tellement. Normalement, il va mourir. C'est la fin pour lui. Qu'est-ce qu'on va faire? Ça me paraît pas mal. Allez, c'est terminé! Fin du game pour lui. Il reste plus qu'un frérot qui va attaquer de ce pas. Mais vu que j'ai un bouclier que j'étais mis tout à l'heure, aucun souci. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut se mettre là.
Ah putain merde, faudrait que je sois à la place de... Ah dur. Ouais, donc je peux pas l'attaquer. Je peux juste... Attendez, si je fais ça... Si je fais ça, faudrait que je sois à la place de Cartman. Ouais, c'est pas ouf, je peux rien faire, je peux juste rien faire. Comme ça, volant, prêt au décollage. Hop, il est mort. Fin du combat, c'est terminé pour eux. On a été des machines, les gars. Aucun mort. Aucun mort à regretter. Aucun mort sur la conscience. Et on a un artefact avec de la monnaie, ça c'est plutôt cool. Bon, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va nous attendre? Là, ça risque d'être assez terrible. Ok, c'est bon. Bon, la sableuse maintenant. La sableuse, c'est important. On va l'utiliser. Boîte à outils, toujours bien munie. On est pas mal. Joli. Eh oui, c'est mon cul qui produit toute cette sablerie. Ok, on a quoi? On a des médocs, c'est pas très intéressant. On a quoi d'autre? Là, je peux pas utiliser mon mode de détection. On a rien, on essaye de tout localiser. Ça serait dommage de passer à côté d'un petit truc sympa. Le frigo, par exemple. Non. Et là, il y a un bug. Il y a un bug parce que, regardez, il y a la vie de certains. C'est très bizarre, non? Et quand je bouge, ça bouge sur l'écran. D'accord, c'est très bizarre. C'est juste un bug. C'est juste un bug. Rien d'affolant, les gars. On va pouvoir sortir. Oh! Nous sommes sur le toit. Ah oui, d'accord. Genre le chargement de lave et tout. N'importe quoi. Ok, les gars. Aucun souci. Si, il y a peut-être un souci finalement. Peut-être parler un peu trop vite. Peut-être ça, non? C'est un bouton. K au base, ok. Faut peut-être juste tomber. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Parler à notre poteau? Putain, qu'est-ce que... Oh la vache! Il va noyer la ville entière sous la lave! Eh bien, je vois que vous êtes finalement parvenu jusqu'ici, la bande des clowns! Le clown et sa bande, Better Spongener! Et maintenant, vous savez qu'il est trop tard! Tout South Park sera bientôt recouvert de lave! Imaginez un peu, le moindre recoin sera sinistré! Tout le monde sera obligé de rester cloîtré! À jamais! Le parc sera couvert de lave! Le fun sera couvert de lave! Ce sera le chaos absolu! Viens te battre comme un homme, chaos! Oh, je suis bien plus qu'un noble, moustique! J'ai enfin réuni assez de papier alu pour assembler mon arme la plus terrifiante à ce jour! La voici! Accueillez comme il se doit, Mecha Mignon Suprême de Chaos! Es un trabajo. Oh ben merde alors! Maintenant, préparez-vous à mourir, la bande est clown! Le clown est... Ralpol, c'est enfoiré à prononcer ces derniers pas... Ah! Ok, bon, c'est parti, combat de boss, bat le mecha. Apportez des modifications, attendez, attendez. J'ai toute l'équipe qu'il me faut, aucun problème. Aucun problème, normalement ça devrait le faire. On est parti pour le combat. Avertissement. Boss surdimensionné, oui, je m'étonne. Ouais, tu t'es carrément surpassé. Merci. C'est vrai que c'est assez ouf. Attention, tir de missile. Quoi? Impact de roquette prévu dans H- bientôt. Ok, ça me fait pas trop peur. Waouh. J'espère que ça va pas faire fondre. Il envoie un maximum de sperm. Ça va piquer. Bon. Et je ne peux rien faire, malheureusement, pour le moment. Donc on va rester ici calmement. L'heure de la justice maison a sonné. On va faire quoi? Je peux toujours rien faire, par contre... Ah, je peux l'attaquer. Oh putain, non, je peux même pas l'attaquer. Oh, la terrible histoire. J'ai je sais pas, je touche quelqu'un ou pas? Yes, je touche, je peux attaquer. Bien joué à moi, je suis le meilleur. Allez, Trunuk. Ok. Ok, je peux pas infliger saignement, vous l'aurez compris, et encore moins feu. Ouais, et si je me mets ici et que je fais ça, 92, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal du tout, on va faire ça. Ouais, c'est pas mal du tout. Bon, il est immunisé en tout, c'est logique. C'est un boss, c'est un gros boss. Par contre, ce que je peux faire d'assez intéressant, c'est de soigner lui déjà. Je vais mettre un bouclier à tout le monde petit à petit. Je te protège. Voilà, c'est pas mal. C'est ça qu'il me faut. On va essayer de couvrir tout le monde. C'est mon tour, ouais. Ok, qu'est-ce qu'il va faire? Ça fait pas peur. Regardez mes missiles, les mecs, ils sont cool, non? Ça fait pas peur. Ok, il y a des nouveaux missiles. Fuyez devant la mécala brûlante. Un maximum de sperm. Ouais, c'est pas gênant ici, c'est pas gênant. Le chaos total.
C'est pas gênant du tout. Protocole de relocalisation engagé. Ça met en feu quand même. Ça met deux personnes en feu. Waouh. Ah, ça va être chiant. Ça va être très chiant. Ah, c'est mon moment préféré. Ok. Et en plus, je prends sa place. Mais est-ce que ça veut dire que je pousse? Je ne sais pas. Je t'ai foulé. On est parti, on va essayer. Merci d'être resté planté là comme une salope de biche devant mes phares. Non, c'est moi qui reviens à ma place. Très bien. Logique. Oh, au fait, je suis toujours en train de cramer. Votre chef brûle, les mecs. Les outils vont passer à l'action. Ok, on va passer ici. Ça me paraît pas mal du tout. Bibiou, bibiou. Il est 96. Il est pas si compliqué que ça. Oh, en tout cas, au premier abord. Par contre, ça met en. Je suis en feu. Il y a un peu tout le monde qui est en feu. Qu'est-ce qu'on va faire? On peut faire ça, moins 65. Et ça, moins 62. On est d'accord que ça paraît mieux. Continue comme ça. Okay. On sera peut-être dans par un jour. Ça va. Il est bientôt low HP, les gars. Il est bientôt low HP. Par contre, ce que je peux faire, c'est que. Déjà d'éviter d'être trop près de mes potes. J'ai rien contre eux, mais sinon c'est compliqué. Mettre un bouclier à notre frérot voilà, là-haut. Merci, mec. Un bouclier avec critique, s'il vous plaît. Ok. Normalement, en passant de l'autre côté, on va voir ce que ça va donner. Ah, je suis prêt là. À moins qu'il récupère toute sa vie. Aucun problème, c'est ça fait pas être peur. Là, il va jeter. Là, c'est pour reculer tout le monde. Je reviens en arrière, c'est annulé. De toute façon, on va utiliser ça. C'est pas mal. C'est pas mal. 110, il est mort. En tout cas, sa première phase est morte. C'est plié. Grâce au critique, qu'est-ce qui va se passer maintenant? C'est un suspense total, ça me paraît bien trop simple. Mes jambes. Ok. Oh non, revenez, mignon. Vamos. Oh là là. Bon, d'accord, il y a eu un petit contretemps, mais le chaos a toujours le dernier mot. Lancement de la phase 2. Oh, merde. Aïe. Ok, les gars, écoutez-moi bien, parce que là, ça risque d'être très compliqué. Il y a des soins derrière, et ça, c'est chiant. Ah ouais, c'est des healers, putain. Et si je fais ça? Ok, on va faire ça. Tournevis de la mort. Au moins, j'attaque les deux. Bon, rien que mes suprêmes mignons, mes cacao, on a pu gérer. Aïe, mais ouais, mais ils vont soigner, ça va être terrible. Il faut que j'attaque toute la zone de jeu. Ah ouais, mais putain, oh là là, il envoie des tacos, ça tire l'arigot. Le nouveau. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut se mettre ici, on peut faire ça. J'en touche deux. Et en plus, c'est un fliché mignon. Pas mal, le nouveau. On est obligé de se débarrasser d'eux, les gars. C'est ça le problème. Et on connaît pas encore les attaques du monstre. Regardez mes missiles, les mecs. Ils sont cool, non? Qu'est-ce qu'il fait? Il attaque où? Il va nous mettre. Point de chaos. Il va nous mettre le coup, c'est terrible. Point de chaos. Encore. C'est terrible. Heureusement, il y avait le caillou derrière. Bon, qu'est-ce qu'il a réduit en cendres? Oh, je sais. Une colère de cerf-volant. Ok, et si je me mets là? Ok, si je me mets là, j'attaque quasi tout le monde. Vaut mieux que j'attaque lui, hein, peut-être. Je sais pas. Yes, vaut mieux que j'attaque lui. Allez, on va utiliser. Ça me fait mal d'utiliser notre ulti juste pour eux. Mais c'est les soigneurs, c'est les healers. On n'a pas trop le choix. Pour faire mal, vise l'aine ou la tête. Allez, ça c'est fait. Ah ouais, mais je prends feu sur combien de temps? C'est terrible. Ça, c'est pour moi. Ok. Ok, je peux l'attaquer lui. Je lui inflige 110, c'est pas mal. C'est pas mal, ça me plaît. 110 avec tout des coups bien, critiques, mignon. Ça fait Je lui ai infligé un petit peu plus. Je lui ai infligé quelques points en plus. Oh non, allons-y. Pas mal de points en plus quand même, mine de rien. Maintenant, on peut faire... on peut faire ça pour l'achever. Non, ça achève pas, putain, mais c'est terrible. Ah, c'est terrible. Double crochet. Quoique, avec l'ulti... Yes, avec je le critique. Avoir acheté de la j'ai eu tellement chaud. Ok. On n'a pas le choix, on doit envoyer ça. Je suis presque impressionné. Je peux y aller. C'est parti, c'est son tour. Ah, il va nous reculer. On va vivre. Oh, j'aurais dû me décaler un tout petit peu en bas. Impact de roquette prévu dans H- bientôt. Ça va. J'ai trop la haine contre toi là. Gaffe au plus, mon dieu. Ok, qu'est-ce que je peux faire d'intéressant là? Toujours faire ça. On va mettre un bouclier à qui? On va mettre un bouclier à Cartman, ça me paraît pas mal. Le coup de
quand comme ça on va pouvoir bouger. Moi ça sert à rien. J'ai quelqu'un de dommage pour le moment. Merde, il est à terre. Oh non, c'est dur. Fermez les yeux, les enfants. Le coup va aborder une situation pour adulte. Il méritait. Et ça, qu'est-ce que ça inflige combien ça? Non. Ok, 110. Oh, il faut faire pression dessus. Allez, on y va. Ça fait presque 150 de damage, hein. C'est pas mal du tout. Hein. Ça, non. Là, je l'attaque. On va faire ça. Perceuse laser. Il va y avoir une phase 3, oh, c'est sûr. Le seul truc avec les perceuses laser, c'est qu'il faut les recharger toutes les 20 minutes. Ouais, donc là, je peux pas le toucher. Là non plus. 62. Aïe aïe aïe, c'est dur. Par contre, si je fais ça, je le mets KO. Donc on va faire ça. On est bien d'accord. C'est pas mal. Ok, c'est pas mal du tout. Phase 3 maintenant, je pense. Voilà, c'était sûr. Il va y avoir encore du monde qui va arriver de derrière. Info quasi sûr aussi. Non, ça ne peut pas finir ainsi. Je suis content. Ok, on va essayer de skip sa première attaque. Oh mon dieu, trop de la mise en place, les mecs. Coup de bon. Préparation. Là, c'est compliqué. Là, c'est compliqué. Toujours invulnérable au saignement. T'en fais les confettis, Koon. Attendez. Ah, il a l'heure. J'ai eu peur. Je me suis posé quelques petites questions, je vous avoue. Là, je peux pas l'attaquer, vraiment. Et là, bah attendez, il est sur quelle ligne? Je comprends pas. Ah, il est sur cette ligne-là. Ouh là là! Soit j'inflige 37, ce qui est un petit peu ridicule. Ah, dur! Soit je soigne. Mince, il fait chaud ici. Je peux faire soigner Cartman. Je peux faire soigner Cartman. Ah, il est que sur une ligne cette fois. D'accord, on va falloir faire gaffe. 62, 65. On va utiliser ça, les gars. Vaut mieux toi qu'on critique, pardon, qu'un repoussement. Bon sang, ça va être un sacré chantier. Ok, je sais pas ce qu'il va faire. Oh, ça tombe. Du dégoût, très bien, ça me gêne pas trop. Il va réattaquer une deuxième fois. Ça va être le bordel, là. Ok, il m'a repoussé. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Très bien. Les trois repoussent. Je vais propager la rage. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire ça. Place au coude. D'accord, ça décale tout le monde. Ça fait plaisir de devoir emmerder quelqu'un d'autre pour une fois, Koon. Maintenant, on a notre frérot qui fait une très très grosse attaque. Qui va presque le mettre KO. Et c'est terminé pour lui, les gars. C'est terminé pour lui. Oh, défense, chérie, défense. Je sais pas du tout s'il va y avoir une quatrième phase. À voir. Faut y aller, Trouduc. Allez, c'est la fin. Pour la liberté, c'est pas. Ah, peut-être une quatrième phase. Non, c'est bon, victoire, les gars. Oh la vache, le combat incroyable, mais un artefact de 101 en retour. Ça, c'est plutôt cool. Par contre, le combat a duré presque, bien 20 minutes. Hein. Il a duré bien 20 minutes avec le petit combat d'avant. Très bien, K.O., parle. Qui t'a payé pour faire ça? Butters, réveille-toi. Je crois qu'il est mort, mec. Il n'est pas mort. Hé, les gars, je pense qu'on devrait plutôt le ramener à la base. Bon, allez, il faut le mettre dans notre prison. La prison? Ah, c'est que... il se fait tard, le mec. Il faut que je rentre ou je vais être puni. Fallait y penser avant d'essayer d'enfouir la ville sous la lave, K.O. Hé, hey, mec. C'était super de bosser de nouveau avec toi, comme au bon vieux temps. Ouais, mais je te l'ai dit. C'était que pour une fois. Je vous aidais seulement parce que je devais un service au nouveau. Allez, boîte à outils. Reviens dans l'équipe. Je peux pas, cerf-volant. La franchise des potes de la liberté va rapporter beaucoup plus. T'as tout faux. On va se faire genre un milliard de dollars. Nous, on va se faire un zilliard de dollars. Mais les gars, réfléchissez un peu. Pourquoi quelqu'un paierait Butters pour répandre le chaos? Qui ça peut bien être? Peut-être que c'est Tommy Nelson. Il a toujours été borderline. Prends place, Proutman. Très bien. Ah oui, bah oui, bah je suis en haut des escaliers. Mais pourquoi je suis pas à la table, les gars? Vous auriez pu m'attendre. C'est quoi ces conneries? Tu vis ici maintenant, c'est ça? Et si la personne qui paie Butters n'était pas un enfant? C'est ça, K.O. T'as été payé par un adulte? Je vous jure, je connais pas son nom, les gars. Personne le sait. Il cherche juste à rassembler toutes les familles du crime en ville. Il est partout. Il ne porte pas de nom, pas de visage. Il peut changer d'aspect comme le vent change de direction. Attends, t'as dit quoi? Il dit qu'une révolution est en marche et que les ténèbres de nos propres cœurs causeront notre perte.
Ah, mon Dieu. Il est celui qui nous délivrera. Et il connaît la véritable faiblesse de la tolérance. Et sa venue amènera une vague de chaos inédite, je te jure. Oh, Seigneur, est-ce que ce serait... Non, c'est impossible. Qu'est-ce qui est impossible? Je connais qu'une personne capable de se camoufler si facilement. Et cette personne a aussi une bonne raison d'anéantir South Park. Qui? Mitch Connor. Mitch Connor? Oh non. Non. C'est qui Mitch Connor? C'est l'idiote de main marionnette de Cartman. Tu sais pertinemment que Connor se servait de ma main pour parvenir à ses fins. Au début, il se déguisait en Jennifer Lopez qui aime les tacos et les burritos. Quand on l'a démasqué, la police l'a arrêté, mais il s'est enfui. Mais pourquoi il voudrait anéantir South Park? Et où il trouve tout cet argent? La ferme! C'est pas cet enfoiré de Mitch Connor! Comment tu le sais? Non, Kyle a raison, les mecs! Ça peut pas être Mitch Connor! Connor est mort dans une explosion pétrolière dans le nord de l'Alaska. Fais chier, je vais me coucher, moi. Ouais, bonne idée, homme cerf-volant. Il se fait tard, que chacun rentre chez soi. Et on se retrouve demain. Après... l'école. Et voilà le programme d'info pour bien commencer la journée. Bonjour South Park! Le justicier de South Park a encore frappé la nuit dernière, cette fois dans un laboratoire de méthamphétamine d'un local U-Storit en centre-ville. Pour en parler, voici un nain coiffé d'un borsalino. Oui, Tom, 6 personnes ont été interpellées la nuit dernière après que le justicier a démantelé un immense trafic de méthamphétamine dans le local de stockage situé derrière moi. Des témoins nous ont confié des récits à la limite du supportable, selon lesquels les pets du justicier étaient si retentissants qu'ils semblaient faire plier la matrice du temps. J'ai jamais entendu un pet comme ça, mec. C'est comme s'il avait pété sur ma queue et que ma queue s'était trouvée transportée 20 secondes en arrière. Enfin quelqu'un qui se dresse contre le crime dans cette ville. Selon moi, tous ces individus avaient mérité qu'on leur pète dessus. Pour moi, c'est une menace. Ce n'est qu'une question de temps avant que ce justicier se radicalise et fasse sauter une école ou une église. Combien de temps faut-il à Captain America pour devenir Captain Idéologie? Quoi? Le troisième opus de Captain America, ça fait combien ça? Dans les 6 ans? Environ 6 ans! Des dizaines de manifestants se sont rassemblés devant le poste de police pour protester contre l'avis de recherche qui pèse sur le justicier. Cette île ne sera pas prise en otage par des vengeurs masqués qui rôdent et pètent la nuit à la face des gens. Nous exhortons tous les citoyens charmés à lutter contre ce type d'oppression rectale. Ouais, c'est moi. Personne ne sait rien sur ce gamin, ni ses origines ethniques, ni même si c'est un garçon ou une fille. Qu'est-ce qu'on fait? Continuez à mettre le produit dans la drogue et l'alcool des gens. Je vais m'occuper du justicier. Ça commence largement à déraper. Vous aviez dit que vous alliez virer le maire. Vous vouliez qu'on vous laisse tranquille, commissaire, pour faire ce que vous aimez faire. C'est ce que j'ai arrangé. Restez calme et bientôt, chacun aura ce qu'il désire. Toi, attends! C'est toi le nouveau, pas vrai? Je m'appelle Wendy. C'est cool de te voir dans notre école. Ce petit problème dont Rabatteuse t'a parlé, c'est bien pire. La chambre du commerce veut se débarrasser du justicier à tout prix. Tu vois les toilettes au parc? Rabatteuse t'attend là-bas, tout de suite. Enfin, en tout cas, c'est cool que tu sois là, le nouveau. Allez, on est parti pour une toute nouvelle journée à South Park. Et il est temps de se changer. Et ben, vous savez quoi? On va rejoindre Rabatteuse. Il faut 350 de puissance, chose qu'on a évidemment pas. Tu vois, il a juste à tourner sur lui-même pour changer de tenue. C'est débile. J'adore, c'est ça que j'aime, c'est cet humour que j'aime. C'est quand c'est débile que c'est drôle. Je répète, tous les membres du coup et sa bande au rapport. Ok, on va donc, déjà on va s'occuper de nos artefacts parce que là on est très loin d'avoir la puissance nécessaire. Par contre on peut passer de 10 à 101, donc 360 de puissance, c'est me semble-t-il amplement suffisant. Très bien, bon on a des quêtes un petit peu partout les amis, mais étant d'aller voir la carte et voir quelle quête serait... Choisis tes toilettes au terrain de jeu et entre-y. Ouais, il faut 350. Ça me paraît être une quête secondaire pas mal, ça. Elle est où? Attendez, on va voir si c'est sur le passage. Sinon, on va stepper. Vous savez quoi? On va déjà stepper. On va aller voir Cartman. Et au pire, on s'arrêtera là. On ira voir dans le prochain épisode, les gars. Et on fera la quête secondaire
de notre amie rabatteuse. Je pense que ça peut être vraiment cool ce qu'elle nous proposait. En plus, c'est juste derrière. C'est juste derrière, donc... Une raison de plus. On va aller voir ce que Cartman... J'aurais pu prendre 7 millions de selfies déjà. Ah non, attendez. Sérieusement. Rends-toi repère du Koon. Le stratagème du chaos. Allez. Allez, vous savez quoi? On va aller au parc. On va aller joli au parc. Joli le nouveau... Rien de plus important. Et on va s'arrêter là, les gars. On va s'arrêter là. On fera ça dans le prochain épisode. N'oubliez pas de j'aimer le commentaire. Et portez-vous bien. Je vous dis à la prochaine. À tout le monde. Ciao, ciao. Salut, le nouveau. Nous n'avons pas encore été officiellement présentés. Je suis le caïd du syndicat du crime. Et toi, tu es... Tu te permets de péter sur mes meilleurs éléments. Mais sommes-nous si différents, toi et moi? Nous voulons tous deux ce qu'il y a de mieux pour cette ville. Tu dois sans doute être très pris. Mais pourquoi ne me rejoindrais-tu pas pour qu'on puisse parler? Je suis aux ruines de Sodo Sopa. Allez, le Koon et sa bande n'ont pas grand-chose à t'offrir de toute manière.